Yo tout le monde, ici je suis tout seul et enfin, le grand jour tant arrivé est là. Le Snyder Cut est sorti, il existe, on peut le voir autant de fois que l'on veut, il est là, il est en face de moi, pour le bien de cette vie où je l'ai en fond de, ici. Et oui, incroyable, un cas unique dans l'histoire du cinéma, le Snyder Cut est là. Mais bon, bien sûr, petit récapitulatif avant de parler du film en lui-même, de donner mon avis, etc. Il faut quand même parler d'un cas aussi exceptionnel que le Snyder Cut, tout simplement. Zack Snyder est un excellent réalisateur de blockbuster qui a toujours eu sa patte très graphique. Il aime bien la violence, il aime bien les mythologies, il aime bien explorer le corps humain, la force, la puissance, le pouvoir au cinéma. Et c'est vraiment sa patte artistique à lui, le côté un peu peinture. Vraiment, il est quelqu'un de très visuel. Et il a fait Man of Steel pour Warner, qui devait déclencher un univers cinématographique qui a bien marché. Pas trop non plus. Et Warner s'attendait peut-être à 800 millions, 900, peut-être même le milliard. Il a fait 600 millions, mais c'est correct. Et donc, ils l'ont laissé faire Batman vs Superman avec des contraintes, mettre Batman dedans, réunir la Ligue, etc. etc. Donc, à cause de tout ce gloubi-boulga, Batman vs Superman a eu des critiques mitigées parce que le cut était trop court. Parce qu'on a eu 2h30 pour un film de 3h, on a eu la version longue après qui est excellente d'ailleurs. Et BVS, c'est le meilleur film du DCU d'ailleurs, génialissime, j'adore ce film. Et du coup, ce film a eu des critiques mitigées parce qu'il était trop sombre a priori, parce qu'il y avait des incohérences, parce qu'il y avait des problèmes avec les personnages. Et donc, tu vois, Warner, et le problème c'est qu'il pouvait pas. Il y avait Justice League qui était en train de se faire quand BVS était sorti, donc ils pouvaient pas stopper ça, Warner. Et donc, ils ont choisi de faire en sorte que Snyder soit surveillé par des producteurs pendant le tournage de Justice League pour qu'ils mettent des blagues, etc., etc. Mais il faut savoir qu'en parallèle, Snyder faisait son propre film à côté et il avait prévu de couper ses blagues au cas où il pourrait faire un montage alternatif de ce film-là. Sa vision à lui, en gros, et pas la vision du studio. Et donc, il a fait son film, il a terminé, post-prod, et là, sa fille s'est suicidée, malheureusement, et donc il a dû quitter le projet. Et Warner en a profité pour engager Joss Whedon, alors que pourtant le film était quasiment terminé. Il y avait juste les effets spéciaux à terminer, peut-être un ou deux petits reshoots, mais rien du tout, et c'était fini, le film était terminé. Mais non, Warner a choisi, au lieu de terminer le film naturellement, de le transformer. Et donc ils ont engagé Joss Whedon, réalisateur des deux premiers Avengers, réputé pour être un grand défenseur du féminisme, par exemple, mais au final c'est pas trop le cas que ça, qui est arrivé, qui a donc refait 50% du film au tournage. Les acteurs sont revenus, à ce qui paraît c'était horrible. Ray Fisher, l'acteur qui joue Cyborg, a été pris de racisme face à Joss Whedon. Gal Gadot a été martyrisé par Joss Whedon. Ben Affleck a voulu quitter le tournage. Jeremy Irons qui joue Alfred a dit que les dialogues étaient putain de stupides. Le tournage était bordélique, les acteurs étaient pas du tout contents de travailler avec Whedon. Mais Whedon, c'est un fait, a tourné 50% du film. A refait 50% du film. Et les autres 50% de Snyder ont été transformés, on a changé le format, on a saturé à fond la couleur, et c'est pour ça que dans Justice League, ils ont tous la peau rose, c'est moche, c'est trop coloré, c'est moche, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, Henry Cavill a une moustache, en fait, que sa bouche est dégueulasse, parce que pendant les reshoots, Henry Cavill ne pouvait pas raser sa moustache, c'était dans son contrat pour le film Mission Impossible. Donc c'est pour ça qu'on a la fameuse belle bouche d'Henry Cavill, qui est maintenant cultissime, du coup. Et ils ont aussi changé la caméra, ils ont rechangé le design de Steppenwolf avec un design beaucoup moins dark, même s'il faut savoir que c'est Snyder qui a créé ce design de Steppenwolf. Pour info, c'est juste que Snyder voulait faire le design que là on a eu dans la Snyder Cut, mais Warner a dit non, c'était trop terrifiant, donc fais ce design là. Mais c'est avec la version de Whedon qu'on a ce design là qui est pas ouf et qui est là, quoi. Et donc, résultat, un film de seulement 2 heures pour former une équipe entière, des effets spéciaux dégueulasses, des dialogues mous, des blagues ratées, quelques connotations féministes, racistes, etc. Un ratage total sur tous les points, un vrai mauvais film, tout simplement, qui a flopé au box-office, qui a fait que 600 millions, là où, par exemple, Avengers, ça fait le milliard, tout simplement. Et donc, ce film a légitimement mis une croix sur la carrière de Ben Affleck en tant que Batman, et de Henry Cavill en tant que Superman, et de Ray Fisher en tant que Cyborg. Et donc les seuls survivants sont Wonder Man, Aquaman, car leurs films ont été des succès. Et Flash, prochainement, qui va laver tout ce bordel, d'ailleurs, hein, Flash, en voyageant dans le temps. Et donc, les fans ont milité pendant 4 années pour voir la vraie version de Snyder. Les acteurs ont vécu un moment horrible, et ils veulent voir la vraie version pour laquelle ils ont travaillé, également. Et donc, 2 ans pour fêter les 3 ans, il me semble, de la sortie de Justice League, il y a eu le hashtag Release the Snyder Cut, qui a toujours existé, hein. Il a toujours existé très peu de temps après la sortie de Justice League.
Et donc ce hashtag a évolué énormément, même les acteurs se sont mis à mettre ce hashtag, Zack Snyder lui-même, et donc ça a été un énorme mouvement pendant 3 années, et un jour Snyder est appelé par les dirigeants de Warner pour lui dire « On aimerait bien voir ton cut, ta version du film ». Et donc Snyder les a montré sa version noire et blanche chez lui, ils ont aimé, ils se sont dit « Ok, on va le sortir sur HBO Max, tu as 1 an et demi ». Et il a fait « Yes ». Et donc, le Snyder Cut a été annoncé en mai 2020. En plein Covid, on sait qu'on va avoir un film que tant de fans ont attendu en streaming sur HBO Max, et dans le seulement aux États-Unis sur HBO Max, et dans le monde entier en VOD, du coup, payant. Et donc le film arrive, toutes les révélations, on apprend que Snyder va tourner 10 minutes en plus avec le Joker de Jared Leto, Ben Affleck qui revient, etc. C'est génial. Et le voilà, ce film plein d'espoir, et ce film qui est là pour nous montrer que la liberté créative peut surpasser un studio, tout simplement, car là on a la véritable version, la véritable vision d'un réalisateur cette fois-ci, et non quelque chose de possédé par un studio, même si on va l'évoquer, mais il y a quelques pincettes dans le film qui ont été enlevées par Warner ou rajoutées par Warner. Ça je le dirai lors de la critique. Mais voilà, Snyder a enfin sorti son film, qu'il a fait en hommage à sa fille également qui s'était suicidée, qui était le point de départ de tout ce drama. Et voilà, les fans ont gagné, Twitter a gagné, l'espoir est là, ce film existe, il fait 4 heures de bonheur, 4 heures de rab, on se fait plaisir, on a 3 heures en plus, et même là, l'heure qu'on avait déjà vue dans le Justice League de 2 heures, complètement modifiée également niveau couleur, l'histoire est à peu près la même, mais on a beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de développement, on a enfin le Justice League qu'on méritait, enfin. Et donc voilà cette histoire très belle au final, puisque ça, on était vraiment parti de quelque chose d'horrible avec beaucoup d'histoires intéressantes, et cette affaire mérite un film ou une série ou un documentaire, mais franchement ça mérite vraiment quelque chose. L'histoire est fascinante en vrai. Et donc depuis, Joss Whedon n'a plus de carrière d'ailleurs, vu qu'il a été accusé de tout ça, et donc a été renvoyé par ailleurs. Ça, c'est pour la bonne nouvelle par rapport à ça. Et donc ce cut existe, Snyder, tout le monde l'aime, c'est un réalisateur giga connu maintenant sur les réseaux sociaux. Et ce film est sorti, et quel est notre avis sur ce film qui est un véritable exemple d'espoir, car tout le monde a rêvé de ça, moi aussi j'ai rêvé de ça, j'ai milité quand même pour ce film également. Ce film est plus qu'un film, avant de critiquer le film, ce film, il faut savoir que c'est plus qu'un film. Ce film a rapporté de l'argent pour la AFSP, il me semble, l'association contre le suicide de Snyder, qu'il a conçu en hommage à la mort, au suicide de sa fille. Ce film a rapporté de l'argent, ce film a sauvé des vies, et ce film est plus qu'un film. C'est un symbole d'espoir, c'est un représentant de la liberté créative, c'est un sauveur de vie, et c'est la Justice League, quoi. C'est le film ultime, c'est la fin de la trilogie de Snyder, bah la fin, on y reviendra. Il est là, ce film c'est un exemple, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire du cinéma, et même si le film est mauvais, il faut savoir que ce film marquera jamais l'histoire du cinéma, rien que parce que il est unique, tout simplement. Et même si on retrouve des équivalents, celui-là restera le premier dans ce cas-là, donc oui. Le Snyder Cut est culte avant même sa sortie, et maintenant, que vaut ce film après tant d'attentes, 4 années d'attente, même 5, si on compte le fait que c'est la suite de BVS et que BVS c'était 2016 et là on est en 2021. Que vaut le Snyder Cut? Petit avis sans spoiler, ensuite on spoilera directement. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'enchaîner après des VandaVision, des Wonder Man 84, des trucs un peu Marvel, fun, mal écrit. Ça fait du bien d'avoir du Snyder, d'avoir le grand retour du roi, grand retour de mon réalisateur préféré. C'était génial, c'était magistral, c'était magique. Mais attention, ce qui est vraiment cool, c'est que les Américains ont aimé le film. Tout est au-dessus des 50%. Les Américains, après, parce que les Américains, il faut savoir que les Américains détestent Snyder en BVS à moins de 20%, Man of Steel à peine à 50%, etc. Les Américains n'aiment pas Snyder, ils n'aiment pas sa vision, ils préfèrent Marvel, tout simplement. Alors que là, ils sont plutôt positifs, il y en a un qui admet qu'ils n'aiment pas, mais ils restent positifs et ils disent que ça reste mieux que le film de 2017. Après, est-ce que si le film de 2017 avait jamais existé, on aurait eu des trucs aussi positifs? Je ne pense pas. Mais oui, ça reste très cool qu'au moins il y a des avis positifs qui marchent bien sur HBO Max. Bon, à ce qui paraît, il marche très bien sur HBO Max, mais il fait pas non plus des chiffres de ouf. C'est surtout à l'international qui marche vraiment bien. En France, il a battu des records de VOD, il a fait 100 000 ventes en VOD. J'ai acheté le film par ailleurs, si pour voir ce film, vous l'achetez, soit vous l'achetez, soit vous le louez, s'il vous plaît. Louez-le ou achetez-le, s'il vous plaît. Pas de manière illégale. Merci. Et oui, ce film a battu des records en Amérique du Sud, en Europe. Et voilà, et peut-être que pourquoi pas, on aura peut-être un avenir, je ne pense pas, vu que Marvel fait tout pour cacher les chiffres.
ou Maron Warner, pardon, fait tout pour cacher les chiffres du Snyder Cut. Donc, je ne pense pas qu'on aura un avenir certain pour cet univers, mais profitons de ce qu'on a, parlons du Snyder Cut, et voilà, let's go. Déjà, avant toute chose, je vais vous le dire tout de suite, je pense que c'est quand même l'un. Zack Snyder a adapté 5 comic books au cinéma. Celui-là, du coup, Man of Steel, BVS, Watchmen et 300. Je préfère Man of Steel, BVS et Watchmen. Bon, pour moi, Watchmen, c'est mon meilleur film de tous les temps, pour moi. BVS, c'est pour moi le meilleur film du DCU. Et Man of Steel, pour moi, c'est l'un des plus grands films solo de tous les temps. C'est un film extrêmement pur, hein, je trouve. Et 300, je l'aime beaucoup, c'est un grand mythe du péplum. Et je trouve que Zack Snyder Justice League est moins bon que tous ces films-là, à mon avis, à mon humble avis. Parce que je trouve ces films quasiment parfaits. Mais Zack Snyder Justice League, comme il fait 4 heures, comme il y a des choses spéciales, il y a des petites perfectibilités parce que c'est vraiment Snyder qui se fait plaisir. Et on est content qu'il se fasse plaisir. C'est un film que j'ai adoré, et le fait qu'il soit quand même le moins bon, à mon sens, de peut-être de ces 4, je pense que je le préfère à 300 quand même, parce que 300, ça reste une histoire simple. Le fait qu'il soit quand même dans le bas de ces films, de ces adaptations de comic book, veut dire à quel point ce gars est un excellent réalisateur et qu'il a fait que des grands films pour moi. Son moins bon film pour moi, c'est son film d'animation, Le Royaume de Gaul, qui est un film très sympathique, mais qui est juste sympathique. Mais sinon, pour moi, il a fait que des très bons films et des films qui ont marqué, qui ont divisé, et j'adore Snyder, et c'est génialissime ce qu'il fait. Et on a hâte de voir son Armée des Morts en avril prochain. Donc voilà, c'était ma partie sans spoiler. Ce film est génial. Vous avez kiffé si vous adorez Snyder, si vous adorez Batman vs Superman, si vous adorez les choses un peu plus sérieuses, mais il y a quand même plus d'humour dans celui-là. Si vous adorez la beauté visuelle, si vous adorez le développement de personnages, allez-y. Allez-y, c'est génial. C'est génial. Tout simplement. Et à présent, je vais m'approcher un peu, j'espère que ça va pas trop tuer le cadrage. Ouf, voilà. Nous approchons un peu, et donc à présent, passons à la partie spoiler. They said the age of heroes would never come again. It will. It has to. Donc, je spoil les 4 heures de film, et cette critique s'annonce très longue. Donc, allons-y. Déjà, je trouve la scène d'intro excellente. Déjà, on est exactement comme dans Batman vs Superman, justement. Dans Batman vs Superman, le film commençait avec la fin de Man of Steel, le combat final de Man of Steel, et là, on est exactement sur la même chose avec Justice League, qui commence avec la fin de Batman vs Superman, avec la mort de Superman, qui est le point central du film. Vu que c'est cette mort qui va déclencher l'arrivée de Steppenwolf, c'est cette mort qui va également déclencher la réunion de tous ces héros pour remplacer Superman et ensuite le ressusciter plus tard. Donc, le début est déjà très symbolique et très beau ensuite. C'est très bien fait, vraiment, ce plan circulaire. Comme si Doomsday qui tire Superman était une figurine, en fait. Vraiment, ce plan iconique avec Superman et son cri immense et la réaction de tous les personnages, Lois, Batman, Wonder Woman. C'est vraiment une scène magnifique et qui prend son temps. Magnifique scène, la mort de Superman, et on revoit Doomsday dans cette scène. Peut-être un petit défaut, je trouve dommage qu'on ne sache pas dans le film qu'est-ce qu'ils ont fait de Doomsday, de son cadavre. Juste ça. C'est un petit défaut, mais j'aurais aimé savoir que devient le cadavre de Doomsday. Et donc on voit le cri de la mort de Jésus, de Superman, s'éparpiller dans le monde entier. Cyborg l'entend, ça a réveillé les Mother Box. Et donc le fait que ça a réveillé les Mother Box va attirer Steppenwolf dans ce monde. Par contre là, à mon avis, on a le tout premier défaut du film. C'est quand on a la petite scène de BVS d'ailleurs, où t'as Lex Luthor qui parle à Steppenwolf dans la forteresse de la solitude. Je trouve l'incrustation de Steppenwolf, de Lex Luthor assez moche. On voit que le gars est derrière un fond vert et qu'il est pas sous la flotte, hein, ça se voit. Je trouve ça plutôt moche pour le coup, donc c'est l'un des défauts. Mais je pardonne un peu plus les problèmes d'effets spéciaux de ce film-là, vu qu'il a été fait en grande partie pour HBO Max, donc pour le streaming, et donc avec beaucoup moins d'argent. Même si 70 millions de dollars, c'est quand même pas mal. Mais oui, cette petite scène-là, ce petit problème-là. Mais ça reste une scène majeure parce que c'est la scène où Steppenwolf va être au courant que les Mother Box sont ouvertes, sont réveillées et que Superman est mort. Ensuite, on nous montre à quel point l'univers est vaste avec les Atlantes et leurs boîtes mères qui sont réveillées. Pareil pour les Amazones. Donc on a vraiment cette sensation d'univers, d'univers énorme qui marche très très bien. Et puis on a cette magnifique scène où justement cette conséquence va s'enchaîner par Batman qui va essayer de recruter tous ses héros avec... Déjà, Batman qui chevauche un cheval, donc on a déjà le petit hommage à The Dark Knight Returns que Snyder adore, et que Batman qui aura chevauché au moins un cheval dans cet univers, le Chevalier Noir, comme il le fait dans The Dark Knight Returns, et on voit les magnifiques plans de Islande, ces photos, c'est magnifique. Après, à mon sens, le film à la base devait faire, s'il était sorti au cinéma, il aurait genre fait 2h30, entre 2h30 et 2h30, et 2h45, voire 3h.
Cette scène, si on aurait dû le faire pour une version cinéma, on aurait pu raccourcir, enlever beaucoup de plans, paysages de l'Islande, justement. Mais là, on est dans un film de 4 heures, c'est-à-dire a voulu tout foutre à peu près. Il y a quand même des scènes coupées, je crois, malgré tout. Mais voilà, Snyder en profite et donc on en profite avec lui. La musique dans cette scène est magnifique également, cette musique-là qui installe vraiment bien le film. Très belle musique. Et donc Batman retrouve Aquaman dans cette Islande magnifique. Et donc part le recruter du coup. Et donc le fait que le film soit chapitré est intéressant vu que ça montre qu'il y a vraiment une véritable progression dans le film, une véritable évolution. Ce qui marche bien, ça fait un peu Tarantino, ça fait un peu film d'auteur justement. Et justement, ce film est un film d'auteur justement. Donc pour moi, ça passe bien le côté chapitré du film, et il y a des symbolismes, il y a tout un sens dans les chapitres bien évidemment. Donc on a la rencontre un peu entre Aquaman et Batman qui marche bien, un peu terrifiant d'Aquaman avec ses yeux bleus. Dommage qu'il n'ait pas ses yeux bleus d'ailleurs dans le film Aquaman, vu que c'est ça qui le rendait un peu spécial au niveau du design dans Justice League. Et voilà, cette scène marche bien avec Aquaman qui est un peu... Aquaman et Batman, ils ont un peu la relation que Green Lantern et Batman ont dans Justice League Origins de Geoff Jones, vu que ce film est inspiré de Justice League Origins, en gros, où Batman et Green Lantern se provoquent à chaque fois mutuellement, et là c'est à peu près ça, c'est un peu ça. Beaucoup moins que dans la version de Whedon, quand même, mais un peu quand même. Et donc on est dans une scène assez intéressante, qui marche bien, où Batman découvre sa richesse à fond sur le fait qu'il soit riche, tout simplement. Donc ça marche bien. Mais voilà, on reparlera de cette relation beaucoup plus tard. Ce qui est vraiment intéressant dans cette scène, c'est la femme qui chante juste après. Qui chante vraiment. C'est d'ailleurs, pour moi, comprend l'univers d'ici. Il a compris que ce personnage était des mythes, des dieux, et plus que de simples humains, tout simplement. Et c'est ça qui marche bien avec cette femme qui voit que Aquaman, c'est une entité, c'est un dieu, c'est l'homme qui respire sous l'eau. Un homme qui est plus qu'un homme, et t'as cette femme qui chante. Ça a un peu fait penser à Vikings. Qui chante, qui sent sa veste, qui est comme une relique. Et qui vraiment, et toute la ville chante ensuite, on est vraiment de... Je sais plus si toute la ville chante, mais elle chante, et il y a vraiment ce côté... On célèbre un dieu, on chante à sa gloire. C'est vraiment du Snyder, et c'est de l'univers d'ici comme on l'aime. Même si ça aussi, on aurait pu le couper en version, si c'était pour un film sorti en version cinéma, vu que c'est vrai que la chanson est un poil longue, pour le coup, mais ça m'a pas trop dérangé. On voit également quand Martha... La situation de Martha, comme dans BVS, où elle en visite à Clark avec son chien Rusty, qui existe dans les comics, d'ailleurs, c'est le même type de chien, il y a à peu près le même nom. Et on voit qu'elle va vendre ça, elle va vendre la ferme des Kent, du coup. Donc on montre que les conséquences après la mort de Superman, qui sont un peu tristes, du coup, également. Et donc on a Batman, vraiment, on est à fond sur le côté riche du Batman, où il sort de son hélicoptère, on a Alfred qui est bien introduit, qui fait ses blagues, Alfred est excellent. Et donc ils vont continuer leur aventure, également. Et d'ailleurs, contrairement à la version de Whedon, c'est justifié pourquoi Batman est barbu et arrive à pied chez Aquaman, parce qu'il y a une grande tempête qui empêche les hélicoptères d'arriver. Ensuite, on a cette scène très très Watchmen, d'ailleurs avec le cameo de Snyder dans la cafétéria que vous pouvez voir là. Vous avez une scène très très Watchmen, vraiment filmée comme dans Watchmen, avec ses plans fixes sur Lois qui marche, avec une musique très poétique, très sad, avec la pluie, vraiment de la poésie chez Snyder. On voit Lois, le quotidien de Lois, depuis la mort de Superman. On voit le Daily Planet passer devant elle pour montrer qu'elle a quitté le Daily Planet, et pour montrer que le Daily Planet est au-dessus d'elle malgré tout, mais elle l'a quitté dans le film, du coup, elle est triste que son mari soit mort, son mari, son mec Superman. On la voit rendre visite à Jerry, qui est en fait l'acteur qui jouait Jimmy Olsen dans les dessins animés, dans le film Superman de Richard Donner, justement, dans ces films-là, donc c'est une cool référence pour un personnage que Snyder n'a pas voulu utiliser, donc c'est cool d'avoir référencé Jimmy Olsen malgré tout. Et voilà, voir Lois dans ces magnifiques plans bien cadrés, très symétriques, toujours rendre visite à Superman, à son mémorial, à Heroes Park, ça marche très bien. Donc pour le coup, je trouve que ça marche bien. Et ensuite, on a une très bonne transition avec le mémorial de Superman à Londres, avec bien sûr l'effigie noire avec le logo gris pour faire référence à son futur costume, le costume noir après sa mort. Par contre, il y a un truc que je préfère avec la version de Whedon. C'est que dans la version de Whedon, on voyait aussi les citoyens poser des fleurs dans la tombe de Superman. On voyait que le monde entier, parce que dans cette version-là, c'est surtout, ce sont surtout les personnages qu'on connaît qui sont affectés par la mort de Superman, et pas les personnages, les citoyens. Et j'aimais bien dans la version de Whedon que les citoyens aussi, on les voit poser des fleurs, respecter Superman, donc on voyait plus de villes et pas seulement Londres, avoir des mémorials pour Superman, rendre hommage à Superman, le fait que les journaux parlent de la mort de Superman un peu plus, que même le méchant que Batman affronte au début de la version de Whedon parle de la mort de Superman également. Je trouvais l'impact de la mort de Superman peut-être plus intéressant en termes de, pour les citoyens, dans la version de Whedon, alors que là c'est à peu près inexistant, et ça c'est l'un des trucs que j'aimais bien qui n'est pas dans cette version là malheureusement. Donc c'est aussi un défaut que je pourrais reprocher. Ensuite on a la scène des terroristes, qui était dans la version de Whedon, elle qui est bien mieux, vu que déjà là c'est vraiment terrifiant. Déjà, faut savoir que le film est rated R, il est moins de 18 ans, moins de 13 pour les Français.
Et donc il y a du sang, et donc on ressent vraiment la violence avec ces terroristes. Ils déconnent pas dans cette version-là, c'est pas juste des simples méchants que Enderman va arrêter là, c'est vraiment des gars, ils sont en train de tuer des flics, on voit du sang sortir, c'est violent. Et vraiment, on est à fond sur ce côté-là, et vraiment on est dans une scène de tension qui marche parfaitement bien pour le coup cette fois-ci. On suit les méchants, on voit vraiment qu'ils tuent des gens qui sont sans pitié, qui veulent détruire. En plus, on reste dans ce côté-là un peu divin, mythologique, un peu symbolique, vu qu'ils veulent détruire ce bâtiment à Londres pour qu'on se rappelle d'eux, pour qui ce sont des terroristes, tout simplement. Les terroristes ont souvent vocation à détruire des symboles, tout simplement pour créer le chaos, tout simplement. Le seul défaut que j'ai avec cette scène, ce sont pas des méchants des comics, tout simplement. J'aurais bien aimé que Wonderman affronte des ennemis classiques des comics à elle. Là, ce sont juste des méchants inventés pour le film, et c'est l'un des trucs qui me dérange, on va dire. C'est un truc qui me dérange un petit peu. Et donc, on a Wonderman qui arrive vraiment. En plus, bon Steiner n'est pas connu pour sa subtilité, mais oui, elle est sur la statue de Thémis, déesse de la justice, thématique du film, bien évidemment. Et donc, elle va arrêter le méchant. Et donc, là, vraiment, Wonderman, elle nie. Il y en a beaucoup qui ont gueulé sur le fait que Wonderman tue dans cette scène. Puisque Wonderman n'est pas obligé de tuer, mais là ça va pas déranger dans le sens où il y a le compte à rebours de la bombe, et donc elle a pas le temps de pas tuer les gens, et donc elle est obligée de les défoncer dans les murs, et vraiment, on sent à fond les impacts, on les sent à fond là. Là, quand elle est fait tomber, elle, pouf, il y a le sang qui ressort, ils sont propulsés au mur de ouf, ça marche parfaitement bien. Peut-être le seul truc que je pourrais reprocher vite fait, c'est le fait qu'elle tue le chef, tout simplement. Je pense que après. Le gars était sur le point de recharger son flingue et de retirer de nouveau, mais je pense qu'elle aurait pu l'avoir avant, donc je pourrais le prendre ça comme excuse dans le sens où c'est un connard qui veut tuer des gens. Donc Wonderman, ça n'a jamais été instauré dans le DCU que c'est un personnage qui ne tue pas. Parce que Wonderman, c'est une Amazon, elle a été entraînée en tant que guerrière, donc elle a toujours appris à tuer. Donc ça me dérange pas vraiment qu'elle tue dans le sens où ça n'a jamais été vraiment instauré dans ce personnage-là. Et ça n'a pas tout le temps fait partie de ce. De ses caractéristiques majeures, tout simplement. Le seul truc qui pourrait me déranger, c'est que le fait qu'elle détruise ce gars-là en détruisant le mur devant du bâtiment, quoi. Donc déjà, elle détruit à peu près un symbole, alors qu'elle bosse dans un musée, donc le fait qu'elle détruise en partie un symbole, c'est déjà un peu problématique. Et le fait que t'as tous les débris qui tombent sur les policiers, qu'elle aurait pu tuer des policiers également, donc il y a aussi. Donc même si c'est stylisé, c'est bien, mais c'est pas cohérent et c'est un petit peu problématique sur le coup. Même si c'est une belle scène, on voit le chapeau du gars flotter et tomber. Ça m'a un peu fait penser à la mort de Rorschach, et j'ai trouvé que c'était une belle façon de nous dire qu'il est mort, quoi. Encore du show d'Intel, on sait qu'il est mort, il y a son chapeau qui est là. Donc vraiment, le symbolisme est à fond chez Snyder, encore une fois. Et bien sûr, avec cette petite fille, on voit que Wonderman, après le fait qu'elle ait abandonné le monde pendant 100 ans depuis BVS, avant BVS, ben, là on sent qu'elle veut redevenir un symbole d'espoir pour les petits-enfants, et ça c'est assez beau, et c'est. J'aurais aimé voir ça pour Superman également, mais Snyder a des problèmes avec ça, on dirait bien. Donc ce côté symbolique de Wonderman qui évolue déjà d'avance par rapport à BVS et qui redevient un symbole pour le monde, ça aussi ça marche très très bien. Et donc, qui dit Wonderman nous dit enchaîner directement avec les Amazones, donc ses sœurs. Donc on a vraiment une cohérence dans le montage. Même si je vous avoue, si le film devait durer que 2h30, j'aurais coupé cette scène parce que cette scène de combat ne servait à rien de Wonderman contre les terroristes. Pour le coup, elle n'a aucune importance. C'est juste que c'est un peu le petit moment de Wonder Woman dans le film qui marche très bien, qui est très cool. Donc là, on a les Amazones qui arrivent. Les Amazones, il y en a beaucoup qui ont gueulé sur le fait qu'elles soient plus dénudées que dans Wonder Woman. Il faut savoir que Snyder, ce n'est pas un pédophile déjà. Snyder, c'est un réalisateur qui travaille sur le corps humain, sur les divinités, sur le corps parfait en fait. Donc le fait de voir les muscles de ces femmes, ça montre encore une fois la fascination du corps pour Snyder, encore une fois. Et ça étudie ce côté vraiment un peu comme Léonard de Vinci qui étudiait le corps humain, on est un peu sur ce délire-là en fait, un peu symbolique et divin de ces personnages. Et il a vraiment fait les Spartiates de 300 mais version femme avec les Amazones, parce que les Amazones dans cette scène d'action sont très très badass, très cool, et ils ont jamais été aussi bien là que dans les deux premiers Wonderman, c'est dire. Donc, et donc il y a Steppenwolf qui arrive avec son nouveau design. Donc il marche très très bien pour Steppenwolf. Personnellement, j'aime beaucoup son design, je trouve les effets spéciaux très très réussis malgré le fait que le film a été fait pour streaming. Vraiment un travail de ouf sur la brillance de son armure, sur les reflets, sur les petits mouvements de chaque armure, vu que son armure réagit à ses émotions. Son armure réagit par rapport à ses émotions, donc ça marche très bien. Mais on en parlera surtout pour la partie des personnages. Donc ça marche très très bien. Et ensuite on a la fight qui commence, qui est une très bonne fight. Et j'ai bien aimé, et on sent vraiment ce côté viscéral, quoi. Il y a des Amazones qui meurent. Et j'avais entendu dire qu'il y avait une scène où une Amazone se transformer en paradémon et se suicider avant de mourir. Si c'était le cas, je trouve très dommage qu'il n'y ait pas cette scène-là, vu que j'en parlerai plus tard, mais tout ce qui touche au paradémon, il y a vraiment quelque chose qui me pose problème chez les paradémons, justement. Donc on en parlera plus tard.
Mais oui, cette scène est très cool avec les ralentis de salaire. Les ralentis ne m'ont pas dérangé dans le film, pour le coup, ça ne m'a pas dérangé. Pour le coup, les ralentis, ça marche assez bien, même s'il y a 20 minutes de ralenti au total, si j'ai bien compris. Et voilà, on est dans une belle scène et ça marche très très bien avec cet endroit, avec le boob tube tout bleu, les Amazones dorées, avec cet endroit un peu grisâtre et les canons qui envoient des espèces de peintures rouges presque. On aurait dit, si on fait image par image, avec les rayons laser des paradémons, il y a vraiment un jeu de la couleur qui est magnifique dans cette scène, encore une fois. Et donc, t'as vraiment ce côté, on sent que les Amazones donnent tout et sacrifient leur vie. On a vraiment un côté très viscéral et très impactant. Déjà, on a eu les terroristes qui tuaient des policiers. Et on voyait le sang qui ressortait. Et là, tu as vraiment cette scène dans le froid avec Loïs et la pluie. T'as la femme qui chante de manière sad également pour vénérer Aquaman. Et là, t'as le temple des Amazones qui tombe, et tu sais qu'il y a tellement d'Amazones là-dedans qui étaient encore en vie et qui meurent. Il y a un côté très viscéral dans le film sans forcément montrer la violence, et ça c'est fort et ça donne déjà beaucoup d'émotions, quoi. J'étais vraiment en mode putain, il faut dire qu'elles sont toutes mortes, quoi. Et c'est pas fini, vu que du coup, un peu comme Lex Luthor l'avait dit dans BVS, les démons ne viennent pas des souterrains mais du ciel. Mais là, du coup, les démons viennent du souterrain vu que là ils sortent des débris du temple sous l'eau et remontent, donc comme les démons de l'enfer, tout simplement. Donc il y a encore la symbolique de Snyder qui est magnifique. Et donc t'as Steppenwolf qui démonte tout le monde, qui démonte les femmes, qui démonte les chevaux. Il y a rien à foutre, l'égalité, on s'en fout, les femmes et les chevaux, ils se font démonter comme il le faut. Il n'y a pas de attention, c'est des femmes, faut faire gaffe. Les Amazones, c'est des guerrières, elles savent ce qu'elles font, elles meurent en guerrières comme les Spartiates, et c'est parfait. Excellent. Et vraiment, ça marche très très bien. Et vraiment, Steppenwolf est très très badass quand ses flèches se découpent avec son armure, et le sang, le côté Rated R qui marche bien, qui vraiment préserve ce côté viscéral et violent et fort de cette scène. Ça marche extrêmement bien. Et t'as aussi la petite Amazone qui meurt. On voit que son âme est presque dégagée par la hache de Steppenwolf, donc c'est un petit changement par rapport à la version de Justice League de Whedon, qui marche très bien aussi. Et ensuite, t'as Steppenwolf qui récupère la Motherbox malgré tout et qui s'en va. Et donc ça marche bien également. Et donc les Amazones ont échoué alors qu'il y avait toute une armada, donc t'avais vraiment ce côté épique à la fois ils ont échoué, quoi. T'avais toute l'armada mais c'est trop tard, il est parti, quoi. Donc ça marche très très bien. Et ensuite t'as la partie 2, l'âge des héros, t'as Steppenwolf qui arrive en Russie. Dans la version de Whedon, on savait pas pourquoi il arrivait là-bas. Déjà il y avait une putain de famille de merde dans la version de Whedon qui habitait là, alors que dans cette version on nous confirme que cet endroit est radioactif en fait. Et c'est complètement cohérent dans ce film-là parce que Steppenwolf utilise cet endroit parce que pour créer sa base, il a besoin de radioactivité, donc il se sert de toute la zone, de toute la radioactivité de cette ville pour construire sa base et pour que les Motherbox soient intraçables également. Puisque les Motherbox ont beaucoup d'énergie et la radioactivité cache les Motherbox en fait, cache leur signal thermique. Donc finalement, c'est totalement cohérent que Steppenwolf soit en Russie, dans une ville fictive, il me semble, qui est d'ailleurs, il me semble, plus ou moins une représentation de Tchernobyl, hein, par ailleurs. Ouais, le fait cette base là marche très bien, et puis esthétiquement fonctionne bien mieux que dans le Justice League de Whedon. Ensuite on a la fameuse scène de Batman qui se rase et qui parle à Alfred, où il parle de Superman qui l'a inspiré, tout simplement, qui doit réunir une équipe parce qu'il faut rendre hommage à Superman et parce qu'il faut sauver le monde comme il le voulait. Il y a des éléments que je préférais dans la version de Whedon de cette scène. Par exemple, Barry Allen, à aucun moment dans le film on connaît son origin story dans ce film là alors que dans la version de Whedon, si tu connais pas Flash, c'est précisé dans le film qu'il a perdu sa mère, que son père a été accusé pour la mort de sa mère, et ça a été précisé qu'il a eu ses pouvoirs par accident et qu'il a été frappé par une éclair. Là, à aucun moment, on sait tout ça dans la version de Snyder. Donc ça, c'est un point fort que j'ai par rapport à cette scène-là, c'est que là, on connaît la backstory de Barry un peu mieux, alors que dans le film de Snyder, son père est en prison, mais on sait pas forcément pourquoi, tout simplement. On sait jamais précisé 100% que c'est sa mère, en fait. Mais je trouve cette scène malgré tout très très cool, malgré tout. Il y a aussi un autre élément que je préférais dans la version de Whedon. Déjà, c'était la petite référence au pingouin dans cette scène qu'on avait chez Whedon, qui était très cool également. Et aussi cette petite phrase de fin de Superman, de Alfred et de Batman qui disait « Je ne reconnais plus ce monde » et Batman dit « On n'a pas à le reconnaître, on a juste à le sauver ». Donc il y a quand même des petits éléments que j'aime bien, des dialogues, parce que d'ailleurs, Whedon reste quand même un bon scénariste malgré tout, et sait écrire des textes. Et j'aimais bien quand même les certains textes qui ne sont pas dans cette version, qui étaient cool malgré tout. Mais j'aime quand même beaucoup cette scène parce qu'on appuie vraiment le côté super, Batman est endeuillé par la mort de Superman, il lui doit quelque chose, il veut réparer son erreur, quoi. Et ça marche très bien. Ensuite, on nous a introduit à Starlab, justement, le lieu où Superman est le vaisseau vaisseau kryptonien, donc on reste cohérent avec le montage, où on découvre Silas Stone, le père de Cyborg, et donc il s'en va de chez lui, hein, où il y a
Il y a le janitor en anglais, c'est l'homme de ménage, entre guillemets, Jensen dans les comics. Jensen, c'est un gars de laboratoire qui devient le parasite dans les comics, qui est un ennemi de Superman. Donc ça doit être une référence à lui, probablement. Et j'ai bien aimé cette scène un peu horrifique, justement, du paradémon, où t'as Jensen qui entend du bruit, là tu vois le paradémon dans un décor totalement rouge, donc la couleur du danger, tout simplement. Et en plus, c'est les paradémons de BVS, en fait. C'est les paradémons qui se ressemblent à des moustiques et qui n'étaient pas dans la version de Whedon. Et donc je trouve vraiment leur design beaucoup plus terrifiant que ceux des autres paradémons, ils sont très très stylés, d'ailleurs. Donc ça marche bien. They told us our dreams would outlive us. They told us our gods would outlive us.